Tuta Wilson, donc origine de région du Nord-Ouest, département de Moumou, donc headquarters Mbengui. Ça fait bientôt 12 ans que je suis en France. Je peux dire de sept pays européens qui m'a accueilli. Au départ, c'était un peu compliqué, mais là, ça va très bien. Je peux pas dire le contraire parce que quand on dit on est Camerounais ici, ça dépend de... Je peux pas dire parce qu'on vient de telle ou telle région, mais tous les Camerounais sont considérés comme les Camerounais ici. C'est ça. Et je suis marié déjà avec 3 enfants. Ma femme, elle est également camerounaise. Les activités à Paris, c'est avoir le courage pour continuer. Parce que ici, on n'est pas chez nous. Il faut qu'on s'adapte. À partir du moment où on est déjà dans le système, bon, après l'adaptation, on peut dire, ça va, mais il y a plein de choses à apprendre tous les jours parce que moi, je peux dire je suis chez moi parce que la vie ici, c'est comme à Douala. J'ai vécu à Douala pour plus de 20 ans. Donc, pour moi, ici, c'est comme à Douala. Il faut du courage, l'envie de réussir. Et et le respect, hein. Surtout le respect. Faut pas qu'on te dise un jour parce que tu fais des bêtises, on va dire celui-là il est Camerounais ou celui-là c'est un Africain. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire. Bon, il y a des choses personnelles. Je ne vais pas parler de que les Blancs ne nous aiment pas. Ils nous aiment quand même parce qu'ils nous accueillent ici. Mais quand on pense que si il y a des personnes comme je peux dire Mandela pour commencer. Des noms qui sont connus, vraiment connus dans ce monde. Obama, on peut parler des Noirs et tout dans le monde, mais c'est les gens qui nous inspirent, qui nous donnent le courage de savoir que quel qu'en soit là où tu viens, on peut toujours réussir. C'est ça le but. Oui, mais quand vous dites explorer le monde, on ne comprend pas très bien quel est votre objectif en venant en France. C'était pour quoi ? Apprendre ou faire des affaires, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Je ne venais pas ici en France pour commencer. J'étais en Asie, je suis passé par Hong Kong. Et je devais normalement aller en Hollande pour trouver un cousin. Lui, il devait m'accueillir pour essayer de m'expliquer comment l'Europe est. Les années 96 ou 80, c'est quoi ça, 96, 97, c'est là où moi j'ai eu mon bac. Il a fallu que je passe 2-3 ans à la maison.
je n'ai pas fait l'université à l'immédiat parce que bon, à cause des moyens financiers, les parents, mes parents sont planteurs. Planteurs de cacao à Kumba, sud-ouest. Moi, j'ai commencé après l'école comme commerçant. Je me dis, je n'étais pas quand même parmi les derniers en classe. Bon, j'étais toujours parmi les premiers 10, tout ça. J'ai eu mon ordinary level, advanced level. Je n'ai jamais eu à redoubler une classe. Je me suis dit, je peux continuer l'école. 3 ans après, c'est en 99 que j'ai fait mon premier année à l'université et à Douala. C'était difficile parce que là, la langue, moi j'ai fait toutes les études jusqu'à advanced level en anglais. Si les anglophones vont à Yaoundé, ceux qui vont peut-être à Soa, tout ça, bon, pourquoi est-ce que moi aussi je peux pas faire? Mais la seule chose que je pouvais faire à cet instant-là, c'est j'ai fait droit à l'université de Douala. J'arrive en France. Là, j'avais commencé mon 3e année en droit. Je suis venu là en 2001. Parce que j'ai eu cette opportunité. Bon, il y a un frère qui voyageait, il m'a dit, si tu veux, je te fais voyager aussi. J'avais cette envie. Pour moi, c'est parti d'abord, voir si ça peut aller, si ça ne va pas revenir et continuer les études. Une fois en France, qu'est-ce qui s'y passe? D'abord, votre intégration, elle s'est faite assez facilement, c'est-à-dire étant anglophone, et vous vous trouvez dans la capitale francophone. Votre intégration s'est faite assez facilement ou il y a eu des difficultés particulières? Moi, l'intégration était au niveau de communication, pas de problème parce que je m'exprimais, je pouvais bien comprendre ce que les gens parlaient. Je pouvais les répondre. La seule chose qui était vraiment, vraiment difficile au départ, c'est... Il fallait trouver du travail, il fallait se loger. C'est question de logement. Je ne pensais même pas au travail. Quand les 2-3 premiers mois, je ne pensais même pas au travail parce que... à la maison, les parents se disent, ou les frères, il est déjà arrivé, il est en Europe, ça va, il est bien. Donc, quand tu les dis, c'est difficile. Quand tu les dis... Envoyez-moi quelque chose. Pour eux, c'est comme si tu te moquais d'eux. Moi, j'ai eu cette sens-là de dire, bon, je suis un homme, je suis là. Si certains sont là, ils s'en sortent. J'ai eu à dormir dans les foyers ici. Donc, je suis arrivé là, décembre 2001. Pendant 4 mois, je n'avais pas de domicile fixe. Donc, on appelait cette fameuse numéro 115. C'est-à-dire on dort un peu chez le voisin, chez le cousin, dans des salons et même parfois dans sa voiture. Comme vous voyez là, c'est le centre commercial Place d'Italie. Je pouvais dire ça, c'est... C'était votre secteur? C'était mon secteur parce qu'il y a le plus grand centre d'hébergement de sans-abri là, qui est au numéro 16 rue Charles Fourier, que je ne peux pas oublier, Paris 13e. C'est là où on dormait tout le temps. Et là, vous étiez aidé par la mairie de Paris, hein, pour les personnes pour qui... Moi, je ne sais pas si j'étais aidé par la mairie parce que je ne connaissais rien. J'ai trouvé, j'ai eu certains numéros, on m'a dit, appelle telle personne. J'ai appelé certains gens qui étaient là et ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, bon, voilà là où on dort, viens avec nous. Et comment vous sortez dans cet endroit, dans cet enfer finalement, parce que vous n'étiez quand même pas tout seul, il y avait bien des gens à côté de vous et que... On avait une très bonne communauté, hein, des Camerounais, des anglophones aussi. Et vous sortez comment? Après avoir trouvé un travail ou c'est encore un ami qui est venu vous chercher et qui par la suite vous a aidé? C'est un ami. Un ami, qu'il est un ami aujourd'hui, oui, mais auparavant on peut dire c'est entre nos frères. Donc on va dire, bon, toi, il y a quelque chose que je peux faire ici. Il y a un ami qui travaillait comme plongeur dans un restaurant. Un restaurant d'un juif. Il nous a dit, bon, le monsieur là, il me respecte, il travaille bien avec moi. Il sait que je suis bosseur. Mais toi, je te trouve comme un gars sérieux. Tu es un gars qui peut faire des choses. Donc, viens, on va partir ensemble. Je peux te le présenter. C'est comme ça qu'il m'a amené. Ça faisait déjà presque 3 mois. Il m'a présenté à ce monsieur. Il m'a dit, bon, ça c'est quelqu'un de sérieux aussi qui peut faire quelque chose. J'ai commencé mon premier travail.
le premier mois de mars. En tant que quoi? Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? En tant que plongeur. Dans un restaurant que bon, je me rappelais même pas du nom. Parce qu'on venait, je commençais le travail à 7h le matin. Pour finir à 10h. Et je gagnais 10 euros par jour. Et vous êtes resté combien de temps dans ce travail? J'ai travaillé là-bas pendant 2 mois. Ce qui m'a vraiment plu là-bas, c'est parce qu'on mangeait. Hein. Quand tu arrives, le reste de nuit du lendemain, qu'on n'a pas mis à la poubelle, c'est dans le frigo. Pour nous, c'était encore du frais. On mangeait sans problème. Et puis, j'avais mon sac qui était mon domicile. J'avais tout dedans, mes chaussures, habits, tout ça, c'était dans mon sac. Donc, je me promenais tout le temps avec. Et là où je prenais mon bain, c'est toujours à la mairie, là, à côté de Place Italie. Le bain public. Bain public. On vient là, on prend la douche, il y a le savon, brosse à dents, on vous donne. Et puis après, vous sortez, vous commencez la rue. C'était ça. Et les jours qu'on n'arrive pas peut-être à l'heure, bon, vous dormez dehors. Là, vous faites allusion là, à la discipline qu'il fallait respecter, parce qu'on n'était pas le fouloir non plus. Être à l'heure tout le temps n'était pas... Bon, on était peut-être deux, je peux dire têtu, pas têtu en tant que tel, mais pour nous, être toujours en train de vivre comme ça, c'était pas bien. J'ai un ami qui est aujourd'hui en Belgique, il y a un qui est vers... à Saint-Étienne. Lui, il a épousé une blanche. À Troyes, on a eu, bon, ceux qui nous parlaient de squat, tout ça, les maisons qu'on peut dormir sans payer, les maisons qu'on peut... Tu sais qu'il n'y a personne qui vit dans un appartement, on peut casser la porte, tout ça, pour trouver où dormir. Et aujourd'hui, comment votre situation a évolué? Donc, désormais, vous avez votre appartement installé convenablement et avec, bien sûr, de nouveaux projets. J'ai toujours eu plein de projets dans la tête. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis dans un grand appartement déjà. Ce qui est un progrès, c'est un signe de progrès. J'ai eu affaire jusqu'à 6 ans et demi avant d'être en règle. Et toujours exerçant le même métier, c'est-à-dire le plongeur? Non. J'ai fait la plonge 2 mois. Avec ces mêmes messieurs, il avait des contrats avec des hôtels pour faire des nettoyages. Comme on dit, femmes de chambre, nous on était des hommes de chambre aussi. C'est ça que j'ai fait pendant 3 ans. Sans prendre des vacances. Hein. Moi j'étais un peu polyvalent, je partais un peu partout. Là où il y a des gens qui sont absents, j'étais toujours là. Qui était trop embarrassant dans ça, c'est bon. Il est bien vrai, on est bien payé. Pour moi, c'était bien payé parce qu'il venait d'arriver. Le jour où j'ai touché 1000 euros, c'était. Je me suis dit ça là. Le monsieur, lui, a vu qu'on était sérieux, on travaillait. C'est lui qui nous a proposé. Dis-moi combien tu veux que je te paye aujourd'hui. Pour moi, je lui ai dit 1000 euros en pensant que j'avais trop fait. Tout ce que vous venez de nous rappeler montre bien qu'il a fallu passer par une aventure, beaucoup de patience, beaucoup de travail également. Est-ce que entre-temps vous êtes retourné au Cameroun pour voir un peu avec la famille le chemin parcouru? Vous savez, quand on fait plus de 5 ans ici déjà, on a cette envie. Non seulement on s'est dit, à partir du moment où j'ai les papiers, le mois prochain je vais partir. C'est toujours ça qu'on a en tête. On se sent un peu perdu, même si on vit bien. Pour mais nous, pardon, vous ne m'avez pas oui, répondu. Est-ce que vous y êtes rentré ou oui. C'est quelque chose, c'est un projet? Non, je suis déjà parti 3 fois et je vais même au mois de février ici. Je vais encore au Cameroun au mois de février. Parti. Pour moi, c'est parti maintenant.
dois partir toutes les 10 mois maximum. Parce que j'ai déjà des projets, j'ai des choses que je fais là-bas pour moi d'abord, avant de voir ce que je vais faire pour les autres. C'est ça. Et c'est quoi vos projets en préparation ou en cours de réalisation? Chaque fois que je dois signer quelque chose à mon nom, je descends. Ça, c'est... Si c'est secret, on peut très bien Non, c'est pas secret. Hein. C'est acheter le... obligé de, mon projet, dévoiler, c'est oui, acheter voilà. Le maximum de terrain. Je n'ai pas pensé construire maintenant, mais acheter, avoir le maximum de terrain un peu partout. C'est ça, mes projets. Et quoi en faire? Bien sûr, on achète des... On va faire quoi? L'agriculture, l'élevage je dis encore une fois, si vous ne souhaitez pas qu'on en parle, on n'en parlera pas. Non. Mais si vous le voulez un peu une idée, parce que cela peut susciter auprès des jeunes des ambitions. Mes ambitions, bon, pour commencer, construire une maison pour moi, construire les logements des étudiants pour location. Projet au niveau de l'élevage, non, je n'ai pas encore pensé à ça. Puisque moi, je veux toujours, j'essaie toujours d'investir sur quelque chose que je maîtrise un peu. Au fond, on y revient si vous le voulez bien sur votre travail d'aujourd'hui. Ouais. À quoi consiste-t-il? Que faites-vous exactement? Comme là, par exemple, vous conduisez l'équipe de la CIR TV en Bretagne pour une série de reportages. Est-ce que c'est finalement le début d'une carrière touristique ou d'une activité touristique? Ça fait partie de l'activité touristique, pour moi. Parce que le tourisme, c'est de se promener aussi, quitter d'un lieu à un autre. Donc tout ça, ça fait payer des frais. Ça, c'est le transport. Transport des personnes. Je ne veux pas insister sur les difficultés qu'il pourrait y avoir. On connaît les Camerounais travailleurs et aussi des brouillards. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, vous parliez à un instant de l'idée de créer une structure touristique au Cameroun. Ça nécessite une formation si on veut vraiment travailler de manière professionnelle. Oui, ça j'y pense. Moi j'ai fait autant ici. J'ai eu à faire Applied Management, Marketing Management par correspondance, que j'ai eu à valider, comme on dit, un postgraduate certificate. Donc c'est comme deuxième année quoi. Donc je suis toujours en train de faire des études pour avoir la licence en marketing. Là c'est aspect général marketing. Mais ce que je fais ici comme formation, c'est uniquement gestion hôtellerie. Et en gestion hôtellerie, on a une petite partie qui parle du tourisme, comment accueillir les touristes, comment sensibiliser les touristes, quels sont les différents personnages dans le tourisme, les différents secteurs. Bon, ce n'est pas vraiment approfondi, mais je pense que si je dois opérer dans ça, il me faut avoir un diplôme dans le tourisme. Ça, c'est quelque chose qui est un peu spécifique et je sais que je peux le faire, mais pas pour l'instant mais c'est j'envisage le faire. Vous conduisez à la fois votre carrière pour bien sûr pour gagner sa vie, être taximan ou bien conducteur des personnalités ou des groupes africains de passage à Paris, et parallèlement vous prenez vos cours par correspondance. Là, je fais mes cours par correspondance et je travaille. Mes clients ne sont pas seulement les Africains. Pour moi, mes clients sont tout le monde. Ceux qui me comprennent, ceux à qui je peux leur dire voilà ce que je fais. Et ils disent bon, ça c'est. On peut te donner un coup de pouce. Me donner un coup de pouce, c'est être mon client uniquement. Pour l'instant, moi je fais mon marketing un peu direct avec les gens. Je te trouve, je te parle. Je t'explique ce que je fais. Si c'est bon, on s'arrange parce qu'il y a quand même des limites dans tout ce qu'on fait. On peut dire hôtel destination à telle destination ou de telle origine à telle destination, il y a des tarifs qu'on connaît.
Moi, je ne fais pas, comme dit le taxi, quittant d'ici pour arriver là-bas, c'est peut-être 1 heure à 60 euros. Ou si on prend 2 heures, tu dois me donner 100 euros. Non, 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 non. Pour moi, c'est quand on fait des distances comme on est en train de faire là. Je peux dire, bon, je calcule le coût. Combien on dépense en carburant? Combien on va payer le péage? Quel est le temps de stress qu'on va parcourir? J'essaie d'évaluer avec ma personne. Et puis, on s'entend. On va quitter un peu, si vous voulez, Paris pour d'un mot sur votre pays d'origine, le Cameroun, notre pays d'origine. Et vous avez certainement entendu parler le gouvernement camerounais qui émet le souhait, en tout cas, pense mettre les moyens pour le retour des Camerounais de la diaspora, le retour de celles et ceux qui veulent aller créer une activité. Oui. Ce discours vous est parvenu. Ça peut être une opportunité pour vous à un moment ou à un autre d'y rentrer. Et, bien sûr, vous avez répondu en partie, mais est-ce que c'est une innovation de la part du gouvernement camerounais, recevoir les Camerounais de la diaspora qui viennent créer des activités? Je suis beaucoup intéressé par ça. Très bien. Et quand j'étais au Cameroun, j'ai eu à suivre les émissions de la télé au niveau de l'élevage. Parce qu'il y avait des groupes, je ne sais pas si c'est des organisations organisées au niveau des ministères, qu'on donnait. Il y a des gars qui passaient d'abord à la formation. Après la formation, il y avait une somme qu'on les donnait. Et c'était vraiment suivi pour voir si ce qu'ils sont en train de faire. Bon, c'était le cas d'un gars qui faisait dans l'élevage de porc. On l'avait donné, je crois, 1 million en CFA. Et il avait eu cette éducation d'élevage. 2 ans après, il y a des gens en provenance du ministère qui sont toujours là pour le suivre, pour voir si ça fonctionne très bien. Pour moi, lui, quand tel que j'ai vu le reportage au niveau de la télé, il avait réussi parce qu'il était sérieux. Le problème, c'est, je me demande, il y a certains gens, est-ce qu'on est sérieux ou pas? Si on est sérieux, toutes les propositions sont bonnes. Toutes les propositions pour pousser en avant, c'est toujours bon. Lorsque vous rentrez, comme nous sommes en train d'en parler, et que vous n'avez pas ni les moyens, ni l'expertise, c'est quand même un échec à terme. Vous y avez pensé de ces critères-là? C'est-à-dire faut allier compétences, expertise, moyens financiers. Ici, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Il faut avoir cette savoir-faire, connaître ce qu'on veut faire et avoir les moyens financiers. Les moyens financiers, pour commencer, ce n'est pas trop important si on est ici, parce que il faut seulement avoir les idées de ce qu'on veut faire. Si on peut structurer ça avec un bon plan et comme on appelle, c'est le business plan, voilà. Si on peut mettre ça bien structuré et fait une présentation, je pense que les moyens financiers, ça c'est pas un problème. Moi, parlons aux situations pour rentrer au Cameroun. C'est ça, j'ai dit, je me donne un certain délai, maximum 10 ans, je serai au Cameroun, hein, maximum. Quand je dis maximum, c'est bon, c'est prêt à Dieu, avec mes projets que je suis en train de mettre en place. J'ai me donné comme exemple, je pense que c'est des autres personnes qui pourront dire ça. Ou dire, bon, celui-là, il est en train de réussir, ça, il avance. C'est... Bon, pour moi, un exemple, oui. Si c'était une autre personne, j'allais dire, oui, ça, c'est un exemple à suivre. Parce que nous sommes, on peut être ici à 100, un nombre de 100 Camerounais. Ce qui est sûr, tous les 100 ne pourront pas gagner la même chose, ne pourront pas avoir les mêmes idées et ne pourront pas avancer de la même manière. Mais pour moi, je suis vraiment heureux. Comme je vous dis, je n'ai pas de problème. Problème, oui, parce qu'on doit toujours penser aller en avant, on doit toujours réfléchir, on doit améliorer plusieurs choses,
On se dit, quand on a un, on a besoin d'avoir deux. C'est sans limite. Mais je ne me plains pas. Pour l'instant, je ne me plains pas. J'avance doucement. Alors, on a fait un peu le tour de la question, en tout cas pour l'essentiel de votre carrière et vos ambitions. Le pays, vous en parlez avec émotion. Une phrase ou une salutation en votre langue. D'ailleurs, vous n'en avez pas qu'une seule. Vous parlez en français, vous parlez anglais, vous parlez probablement une autre langue qui n'est pas une langue de communication officielle. One personal presentation. I am Mr. Tuta Wilson from Northwest Province, living here in France. And I'm precisely from Mumu Division, Bingbi. So this is a word I want to send off to my own people. Mo Charwen, Mo Bere Ame Kengamne Monere Ganen, Mo Gabenge Beribage, Mo Tongone France. Mo Charwen Chichom Eganeni, Kainini Bachina Tegani Numkang, a very easy, somehow better. I'm a better Gamon and a Gamon Bird, a better Gamon and Gamta. So much Aaron Bachuba Chichom. Then to for Berak, 13 Mono to for Ega and France. Number Tony Makuda, number Kerichichom. Babu Ninga Gambotongo, a president, Nga Makuda, General Makuda, a Bamenda. Newu kebechi unenga number or telephone number bo Mr. Atuta Wilson in France bechi ne mo ye rabe advisor nga mekuda nga France ra bo mu bere ke nga mo onen bo nere bire ke gamena ke tenere cha ke mo onen botonga ke mbo bere project mo onen bo nere ga nga bengwi ke nga mo division bo bere gana Bochina Mba te Abazo Tiberi Kerebo Mbochina Tibu Na Aba Tongone a yearly contribution. Mo Benen e Te Chuba Chichom Basi Chuba Abaze Chichom Abu Mon Arebene. Oui, là je les ai dit, je me suis présenté précisément là où je sors du Nord-Ouest à Momo Division Bengui. Je te fais comprendre que je suis ici en France et pas que je suis parti pour de bon, parce que notre là où on sort, c'est difficile qu'on oublie. Et on vient de faire notre petite réunion de gens de cette même zone ici. Ça n'a pas encore fait jusqu'à, c'est presque 13 au mois aujourd'hui. Si comme nous sommes là, c'est la seule chose qu'on peut faire pour notre région, notre département, c'est qu'ils nous disent aussi les projets qu'ils ont là-bas. Que, parce que chaque année, il y a le président général, ils ont souvent des projets qui votent qu'on va faire le développement au niveau du village, quoi. Chaque année, on change de tel ou dans tel village, dans tel village. Nous ne sommes pas là-bas, c'est eux qui sont là. Donc s'il y a des choses à nous communiquer, des choses à nous faire comprendre aussi selon les projets, c'est en passant par le président national qui est toujours en contact avec notre président ici. Donc eux, ils peuvent nous envoyer des messages. Et c'est comme ça aussi, ici, dans notre groupe, on peut les répondre. Le peu que nous, on peut avoir ici, ils doivent comprendre que c'est le maximum qu'on a pu faire. Et puis je les remercie de m'avoir bien écouté et que je les souhaite aussi bonne chance et bonne santé. Je pense que votre message sera entendu à la fois par les Camerounais et en particulier vos parents qui doivent être fiers de votre parcours. Au revoir, merci.